Quelqu'un le programme, non? Vous avez vu, je suis très... Bon, alors sans plus attendre, on va commencer. Je pense que ça va être parfaitement dans la prolongation des discussions qu'on vient d'avoir à l'instant. Donc, s'émanciper par l'action collective, s'émanciper par la lutte, s'émanciper par en bas. On commence tout de suite donc, avec Jeanne Demoulin et Clément Charleux, qui vont nous faire une présentation. Donc, le titre s'intitule « Faire participer autrement ». Retour sur une recherche-action menée au Petit Nanterre. Alors, juste en termes d'organisation, pour vous dire, il y a donc cinq interventions de prévues. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait en faire trois dans un premier temps. On prendra une première série de questions pour rendre la chose un peu plus dynamique. Puis les deux dernières interventions seront faites et on aura enfin une discussion collective pour éviter d'avoir le tunnel de cinq interventions. Voilà, Jeanne, Clément, c'est à vous. Vous avez un quart d'heure. Bonjour à tous, donc, je suis Jeanne Demoulin et voici Clément Charleux. Donc on va faire une intervention à deux voix autour d'une expérience à laquelle on a participé au Petit Nanterre. Donc comme on est ici dans un colloque sur les expérimentations démocratiques, je voulais juste bien dire que ce dont on allait vous parler là, ce n'est pas une bonne pratique. On ne va pas proposer des solutions pour réformer les pratiques des travailleurs sociaux et des professionnels des associations. Mais vous proposer un retour réflexif et critique sur la recherche-action qu'on a menée, donc que moi j'ai animée en tant qu'universitaire et à laquelle Clément a participé en tant que membre de la Régie de quartier de Nanterre, donc il reviendra sur son rôle plus tard. Et donc, par rapport à ce dont on a parlé ce matin, ça va être une manière de voir dont l'injonction... cette nouvelle injonction au pouvoir d'agir, à l'empowerment, au community organizing, ces nouveaux termes qui prennent de la place dans le travail social et la participation, s'incarnent en fait dans les pratiques des acteurs, les effets qu'elles peuvent avoir dans les pratiques des acteurs. Donc rapidement, en introduction, je voulais simplement rappeler que la question de la participation, elle a traversé l'histoire du travail social, hein, depuis les années 70, où il y a eu une remise en cause du travail social via le contrôle social, jusqu'à aujourd'hui, où on met vraiment en avant cette question du pouvoir d'agir, de l'empowerment, comme terme qui vient finalement remplacer le terme de participation dans les pratiques de certains acteurs. C'est comme si cette notion venait apporter un nouveau souffle et venait finalement essayer de faire participer autrement. C'est pour ça qu'on avait intitulé notre intervention comme ça, les acteurs du associatif, en tout cas pour ce qui nous concerne. Ces dynamiques autour de la participation, des renouveaux de la participation, elle a entraîné chez un certain nombre d'acteurs au fur et à mesure des décennies, et pour ce qui nous concerne juste maintenant, des réflexions, des prises de distance critiques vis-à-vis des pratiques qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la recherche-action qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en fait, elle a été menée dans le quartier du Petit Nanterre, à Nanterre, pour ceux qui connaissent, qui est un quartier enclavé, selon le vocabulaire de la politique de la ville, qui présente tous les indicateurs sociaux, démographiques de la géographie prioritaire, et dans lequel de nombreuses associations sont implantées. Et ces associations, en fait, sont aux prises avec une injonction à faire participer les habitants aux actions qu'elles mettent en œuvre. Donc on a mené la recherche-action avec quatre associations historiques du quartier, l'association NADA, qui est une association dite d'insertion sociale de proximité, qui travaille avec le foyer Adoma dans lequel elle est implantée. Elle est implantée en pied d'immeuble. L'association Ziva, qui a été créée en 1994 et qui mène principalement une activité d'accompagnement à la scolarité et qui diversifie ses activités aujourd'hui. La compagnie Théâtre du Bout du Monde, qui se revendique comme une compagnie de théâtre engagée, qui existe depuis le début des années 90. Et l'association Mosaïque, qui gère le centre social et culturel du quartier. Donc en fait, ces quatre directeurs d'associations se posaient des questions autour de la participation, la manière dont ils faisaient participer les personnes, et voulaient développer le pouvoir d'agir des habitants. Ils avaient l'impression que la manière dont ils agissaient ne permettait pas de développer le pouvoir d'agir des habitants. Donc il n'y a pas de définition de ce pouvoir d'agir, c'est justement ça aussi que je trouve qui est intéressant, c'est de dire comment on transforme pour
pour permettre le développement du pouvoir d'agir des habitants. Donc ils disaient qu'ils devraient faire autrement, alors comment, ils ne savaient pas bien, mais qu'ils devraient faire autrement et tenter dans leur structure des expérimentations pour travailler à cela. Et du coup, du fait notamment de la proximité du quartier avec l'Université de Nanterre, du fait que l'association Ziva entretient des liens avec l'Université de Nanterre depuis un moment, le directeur de l'association m'a sollicité pour accompagner cette recherche-action. Il se disait qu'un processus de recherche-action pouvait leur permettre de réfléchir. Donc là, dans le cadre des expérimentations démocratiques, on en a un peu parlé, c'est aussi une démarche qui paraît assez intéressante de savoir comment la recherche-action peut permettre de travailler ces expérimentations démocratiques. Donc elle a été menée de décembre 2014 à décembre 2015, la recherche-action, donc sur une durée d'un an, à l'aide d'une méthode qu'on a appelée d'observation-restitution croisée. Donc l'idée, c'est qu'on avait en fait des réunions régulières avec le groupe de recherche-action. Et entre ces réunions, les acteurs allaient chacun observer un atelier mis en œuvre par une autre structure. Donc, par exemple, Clément va y revenir juste après. Par exemple, il y a le centre social qui met en place des petits-déj culturels. Donc, quelqu'un de l'association Ziva allait observer ces petits-déj culturels. Et ensuite, on se retrouvait en groupe et on essayait de débriefer autour de ces expériences pour voir ce qui permettait ou non le développement du pouvoir d'agir des habitants et essayer du coup de développer une définition de ce que c'était ce pouvoir d'agir et une définition des manières de faire qui freinaient ou qui, au contraire, pouvaient être un levier pour le développement du pouvoir d'agir. Alors, on a commencé du coup par essayer de voir où chacun en était autour de cette question de la participation et du pouvoir d'agir. Là-dessus, je vais être très rapide parce que finalement, les critiques qui ont été énoncées par le groupe au début de la recherche-action rejoignent des choses que vous connaissez tous et qui ont été établies par la littérature scientifique, qui sont des réflexions que se font les praticiens, les habitants autour de la participation et sur laquelle on est revenu largement au cours de ce colloque. Donc notamment cette logique dominante selon laquelle les structures déterminent les besoins de la population selon un diagnostic qui a été très largement fait sans les habitants, et ensuite propose des actions participatives pour aider les habitants à finalement résoudre ces problèmes. Donc le groupe avait l'impression de toujours mettre en œuvre une offre de participation qui mobilise certains habitants et toujours les mêmes, on en a largement parlé jusqu'à maintenant. Et en conclut que c'est peut-être finalement la nature de l'offre de participation qu'il propose qui pose problème et les méthodes qu'il met en œuvre. Et il développait aussi une réflexion autour du fait que les habitants se muaient du fait des activités qu'ils proposaient, enfin que les structures proposaient, se muaient trop souvent en consommateurs. Donc là aussi, c'est des choses qui ont été dites et redites. Et que ce qu'il voulait faire, c'était de rendre les habitants acteurs, sans savoir encore une fois très bien qu'est-ce que ça voulait dire. Et qu'une manière de changer les choses serait de promouvoir une participation ascendante qui part du bas, donc finalement les structures proposeraient des actions en partenariat avec les habitants en fonction des remontées du terrain. Et ce qui prenait beaucoup de place dans les réflexions, c'est cette logique émancipatoire dont on a parlé ce matin. Encore une fois, sans savoir très bien qu'est-ce que ça voulait dire, cette logique émancipatoire, mais avec l'idée que les habitants étaient confrontés à des problématiques et qu'il fallait qu'ils puissent se défaire des situations de domination dans lesquelles ils se trouvaient. Donc dans ce cas-là, on a étudié quatre ateliers, et je vais laisser la parole à Clément pour les présenter brièvement. Ça marche. Alors j'espère que je vais être clair, pour la simple et bonne raison que je viens de vacances et je suis arrivé à 5 heures ce matin, et je ne voulais pas laisser Jeanne toute seule ce matin, vu que voilà, on a pris du temps ensemble pour l'écrire. Donc moi, je travaille sur Nanterre, sur toute la ville, et ma position est un peu particulière parce que mon poste est sur la participation des habitants. Et sur ce quartier-là, on m'avait dit, tu vas voir, il y a des associations, elles sont bien, mais fais gaffe, va falloir que tu fasses ta place. Et d'une certaine manière, comme on se l'est dit avec Jeanne, moi j'ai fait un peu ma place, je pense, sur ce quartier, en faisant la recherche-action, en étant à leur côté, en les aidant à réfléchir, en étant souvent celui qui allait leur poser le plus de questions, et en remuant quand même pas mal ce qu'ils faisaient. Donc ça les a quand même pas mal brassés, ils me voyaient écrire dans mon petit carnet et généralement
Ils savaient que ce n'était pas pour rigoler. Donc les quatre actions qu'on a étudiées dans chacune des structures donc, que Jade a présentées, je vais les décrire brièvement. Donc, l'association NADA nous a proposé, puisque c'était l'idée, hein, que chaque association propose une chose à observer, un atelier nutrition. Et donc là, voilà, le groupe d'habitants avec une nutritionniste prépare un repas, choisissent plus ou moins ce qu'ils vont faire, et puis ensuite partagent le repas avec tout le monde, même des gens qui n'ont pas participé à l'atelier. Et curieusement, on l'a vécu cet atelier, moi j'y suis allé, et finalement, comme je le disais, c'était presque le plus beau contre-exemple de participation, enfin, où les gens, la nutritionniste en fait, elle avait sa recette, pour elle il fallait qu'il n'y ait pas de sel, et quand, j'en sais rien, elle avait tout son préconçu. Des gens venaient, des fois même certains qui cuisinaient partaient et goûtaient même pas ce qu'ils avaient cuisiné. Donc bref, ça a fait un truc très particulier, ce qui fait que l'association, même à un moment, s'est dit, mais en fait, je sais pas si c'était judicieux, est-ce qu'on aurait dû ou pas présenter ça. Et finalement, ça a presque été notre référence de se dire, tiens, on n'a pas un contre-exemple, enfin, mais on a quelque chose qui est un peu bancal, donc peut-être que par rapport aux autres, on va en tirer des enseignements. Donc ça, c'est le premier atelier, très brièvement. L'autre, c'est l'atelier théâtre fait par le Théâtre du Bout du Monde avec des adolescents. Donc là, on est peu à avoir été les observer. Donc c'est un groupe d'adolescents mixtes de 12-17 ans qui habitent le quartier et on leur propose deux fois par semaine des ateliers théâtre. Ça les a emmenés quand même dans un échange culturel avec des groupes d'ados à New York, à Brooklyn. L'idée était de partir aussi de leurs préoccupations, de créer un texte, de créer une pièce de théâtre qui soit franco-américaine. Et moi, j'ai beaucoup observé ça parce que ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait du théâtre en étant ado et ça m'a fait me poser plein de questions sur ce que j'avais vécu moi en tant qu'ado, que j'ai essayé de retranscrire aux animateurs et même des fois aux enfants. Et c'est vrai que ça a été assez intéressant de se dire, mais en fait, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se joue? C'était une pièce qui était très dure sur la violence, la sexualité, la domination masculine, une jeune fille qui se faisait frapper, enfin voilà, etc., etc. La migration. Et c'est vrai que c'est une troupe de théâtre qui va chercher vraiment à triturer un peu aussi ces jeunes. Comme elle a été peu observée, on a eu du mal à... Enfin, en tout cas, la troupe de théâtre a eu du mal à se dire ça nous a servi. Mais maintenant, sur le parcours qui a été fait, ça les a quand même emmenés un peu plus loin. Ils ont essayé de poser de nouveaux projets en étant toujours dans cette dynamique de comment ça fait bouillonner déjà au niveau des animateurs ce qu'ils proposent aux enfants, comment les enfants reviennent et les questionnent eux aussi, comment la famille qui est autour re-questionne aussi ce que vivent les jeunes. Et peut-être ou non à terme, est-ce que ça re-questionne un peu le quartier, enfin voilà, dans la production, en sachant qu'à chaque fois, les productions faites sont proposées dans le quartier et ailleurs, et que la première année où a eu lieu ce projet, qui était avant la recherche action, ils étaient allés, enfin les jeunes New-Yorkais étaient venus en France, et que l'année où on a fait la recherche action, c'était les Français qui partaient. Le troisième atelier, des petits-déj culturels et loisirs au sein du centre social. Donc là, l'idée, réunir un groupe d'habitants pour discuter des prochaines sorties qui vont avoir lieu. Et donc là, on était aussi dans... on entendait ce matin au niveau du Canada le côté, nous aussi, il y avait quasiment que des femmes. Le pauvre homme, un coup qui était venu, s'est retrouvé sous les regards de tout le monde en disant « Vous êtes un homme, que pensez-vous de ?» Donc il s'est retrouvé hyper bloqué, bien sûr. Et se poser la question là du choix, de l'induction, enfin comment finalement les professionnels du centre social n'étaient pas déjà des fois en train d'induire la sortie? Est-ce que c'était plus judicieux d'aller à tel endroit ou à un autre, parce que là c'était un peu de la consommation ou pas? Ça a beaucoup trituré même l'équipe, la directrice et l'animatrice de cet atelier, qui des fois se posaient la question, mais est-ce que finalement on n'est pas déjà en train de leur dire ce qu'on veut ou pas? Mais en même temps, avec toujours une volonté derrière de dire « mais si, on leur laisse l'autonomie, puis de toute façon ». Et c'était là un enjeu qui était assez important pour elle. Si les habitants sont pas derrière et si c'est eux qui mènent la sortie, s'il n'y a personne, la sortie ne se fait pas. Et donc il y avait une sorte de contrat déjà exposé dès le départ en disant « si vous n'êtes pas là, si vous ne vous impliquez pas, on ne la fera pas pour vous ».
Donc ça impliquait et ça induisait aussi une dynamique différente. Et enfin, le samedi des parents, donc, par l'association Ziva, qui est un moment d'échange et de réflexion entre parents sur l'éducation et la place de leur enfant et comment ils peuvent apporter quelque chose. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noter qu'il y a eu une émergence d'une association de parents qui allait porter à l'extérieur une vraie voix sur des enjeux au niveau du collège et de l'école, donc qui a émergé, on pourrait dire, du samedi des parents. Alors, est-ce que, en voyant quand même qu'il y avait quand même des soucis aussi d'organisation, de comment vraiment mener des actions, mener la parole jusqu'au bout, donc est-ce qu'il s'était émancipé ou pas, en tout cas, il prenait un peu le large, mais se posait toujours la question, finalement, du pouvoir, et moi, c'est ce qui me notait, c'est-à-dire, chaque groupe avait un peu un pouvoir sur les usagers qu'il avait, et à un moment donné, on pouvait se dire, est-ce que, finalement, l'association qui était en train de partir, est-ce qu'on n'aimerait pas qu'elle soit plus ou moins proche pour quand même savoir ce qu'elle fait, orienter un peu, l'aider ou l'orienter, enfin, on savait pas trop, mais en tout cas, ça questionnait beaucoup de monde. Donc voilà ces quatre ateliers très brièvement. Moi, pour les avoir vécus, je pense qu'il y a, il y a eu vraiment des changements anecdotiques sur certains. Il faut savoir que c'était beaucoup les directeurs qui venaient et qu'à un moment donné, moi, j'ai beaucoup questionné la place des autres membres des équipes. Il y a eu la place des habitants. Alors ça, c'est revenu, reparti, puis re-revenu sur est-ce qu'ils doivent être là ou pas dans la recherche-action, en sachant que je crois que dès le départ, ça avait été tranché et que tu jouais celle qui ramenait en disant « mais en fait, on a déjà parlé de ça ». Mais c'est vrai que ça les réinterrogeait toujours en se disant « ah oui, mais ça serait bien qu'ils soient là parce qu'au moins... » Ça serait une caution peut-être aussi pour montrer qu'on fait bien de la participation. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'était pas simple. Et moi, je pense, depuis avoir fait ma place, en tout cas être des fois sollicité par certaines associations sur le quartier, ça nous a pas mal trituré. Maintenant, c'est vrai que, comme le conclura sûrement Jade, je pense que c'est un peu à la marge et qu'il y a de quoi faire. Ah, c'est fini, bye bye. Je vais juste dire un mot, hein, c'est que en fait ce qu'on en a conclu, c'est que du coup les différentes associations se sont rendues compte qu'elles mettaient en place des espaces de parole dans lesquels il y avait parfois des processus de conscientisation, hein, où vraiment les habitants prenaient la parole et à la force de discussions collectives se rendaient compte des systèmes dans lesquels ils étaient pris. Mais que les animateurs finalement ramenaient toujours les discussions sur les objectifs des ateliers et du coup bloquaient finalement ces processus qu'on pourrait dire émancipatoires, par exemple organiser une sortie avec les petits déj culturels et du centre social, ben, il fallait organiser la sortie. Donc s'il y avait une discussion qui émergeait et quelque chose qui prenait vraiment forme, qui aurait pu derrière déboucher sur une action collective, en fait, c'était systématiquement stoppé. Donc du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que créer des espaces de parole, oui, mais encore, et que ce qui était compliqué, c'est le passage à l'action derrière. Vraiment, on discute entre nous, ok, mais derrière, pour comment on accompagne en tant que structure le passage à l'action, et que plus l'enjeu était conflictuel, plus ce passage à l'action devenait complexe. Et donc voilà, c'est vraiment un processus en cours sur comment on initie une réflexion avec ces professionnels et les changements que ça peut produire pour la suite. Merci. Donc on enchaîne avec Marion Lang, qui est doctorante à l'Université de Saint-Étienne, il me semble, qui va nous présenter donc sa communication intitulée « L'émancipation par l'interaction ». Interrogation. Des rapports de pouvoir en action entre différentes formes de participation dans deux quartiers populaires, en France et en Espagne. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis doctorante en sciences politiques et je m'intéresse aux mobilisations citoyennes et aux formes de participation dans deux quartiers populaires à Marseille et à Barcelone. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une première réflexion comparative de mes deux terrains d'enquête. Donc, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours parce que c'est vraiment en construction pour moi. Et donc, je voudrais m'intéresser aux interactions entre différentes formes de participation sur les deux quartiers que j'étudie pour voir en quoi elles produisent de l'émancipation et quels sont les rapports de pouvoir qu'on peut voir. Pour présenter ces résultats, donc, c'est une thèse qui est en cours. Donc, j'ai une méthode plutôt ethnographique. J'ai passé plus d'un an dans le quartier à Marseille en tant que d'abord participante à une démarche participative, puis observatrice, donc ce qui m'a permis d'avoir une connaissance assez fine des acteurs et des enjeux. À Barcelone, donc, le terrain est encore un peu limité, puisque j'ai pu passer que 2 mois pour l'instant en observation directe dans le quartier auprès des acteurs
et donc je vais un peu développer par la suite dans mes recherches le terrain à Barcelone. Donc pour revenir sur mes terrains d'enquête, à Marseille, j'étudie un quartier qui s'appelle le quartier Malpassé, qui est situé dans le 13e arrondissement de Marseille, donc dans ce qu'on appelle le quartier Nord. Donc c'est un quartier de grands ensembles qui comporte environ 10 000 habitants, qui est dans un processus de rénovation urbaine depuis 2005. Son tissu associatif est assez faible, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'associations et qu'elles ont assez peu de liens entre elles. Elles travaillent plutôt de manière autonome. Depuis 2014, dans ce quartier, donc, il y a une table de quartier, donc, qui est une expérimentation participative issue, donc menée par la Fédération des centres sociaux et issue du rapport Bakemeshmash que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent. Et donc, à Malpassé, cette table de quartier, elle est adossée au centre social, donc, c'est-à-dire qu'il y a une animatrice du centre social qui est dédiée à l'animation et au déroulement de cette table de quartier. Concrètement, elle se réunit environ tous les 2-3 mois sous forme de session plénière qui rassemble entre 30 et 80 habitants selon les réunions pour évoquer des grands sujets et l'état un peu des actions à la table de quartier. Et entre-temps, il y a des plus petites commissions d'une dizaine d'habitants, voire souvent peut-être un petit peu moins, qui font faire avancer certaines thématiques sur lesquelles je vais revenir. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que depuis novembre 2016, les activités à la table de quartier sont assez réduites. Et à Barcelone, je m'intéresse à un quartier qui s'appelle Ciutat Meridiana, qui est situé en périphérie, à l'est de la ville, dans le district historiquement ouvrier de Nou Barris, qui compte 12 000 habitants et qui est issu d'une opération de promotion immobilière qui date des années 70 et qui accueille une population très diverse, qui a été notamment les victimes de la crise économique de 2007. Donc Ciutat Meridiana est connu comme le quartier espagnol où il y a eu le plus d'expulsions de logements. Le tissu associatif dans ce quartier est beaucoup plus riche que celui de Malpassé, mais en comparaison à ce qui peut se passer dans d'autres quartiers à Barcelone, il est assez faible. Une association importante, c'est l'association de voisins, donc un acteur assez historique des mouvements sociaux à Barcelone, et qui milite sur les questions liées au cadre de vie et depuis 2008 sur les questions donc d'expulsion des habitants. Et en 2016, donc, la nouvelle municipalité de Barcelone a proposé une consultation citoyenne pour redéfinir le schéma directeur de la ville qui s'appelait Decidim Barcelona, donc ce qui est un Nous décidons Barcelone, donc, qui comportait un volet en ligne où chaque habitant pouvait donner son avis sur différentes thématiques via une plateforme en ligne et des débats dans différents quartiers de la ville. Et les associations de Ciutat Meridiana se sont un peu mobilisées contre cette forme de participation qui, pour elles, ne correspondait pas du tout aux manières de faire des habitants du quartier qui, pour beaucoup, n'ont pas un accès à Internet et dont une grande partie ne maîtrise pas assez le castillan pour pouvoir participer au débat écrit. Et donc, ils ont proposé une consultation citoyenne un peu plus classique sous format papier. Donc, ils ont distribué plus de 1000 feuilles dans le quartier ou en demandant aux gens de proposer leurs souhaits et leurs besoins pour le quartier, de hiérarchiser. Ils ont soumis ça au vote des habitants, donc ils ont reçu plus de 1400 réponses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10% de la population du quartier qui a participé à cette consultation citoyenne. Et donc, ce que je voudrais voir, c'est, en regardant un peu ces deux mobilisations citoyennes, donc cette table de quartier et ce processus de consultation citoyenne, comment ces acteurs interagissent avec d'autres formes de participation qui sont présentes dans leur quartier et voir dans quelle mesure ces interactions peuvent développer leur pouvoir d'agir. Donc déjà, je pense que sur les deux quartiers, on peut ranger les expériences participatives qui existent dans trois catégories. Donc une première catégorie de formes de participation radicale, donc qui seraient donc les deux mobilisations citoyennes que je viens de présenter, qui, dans une conception radicale de la participation, voit la participation comme ayant une finalité de transformation de rapports de pouvoir inégaux et de lutte contre les injustices qui passeraient par des formes d'action collective. À côté de ça, on a des espaces participatifs institutionnels qu'on connaît bien, comme par exemple les conseils de quartier, qui, pour moi, montrent une forme de participation légitime avec des cadres légitimes de la participation visant notamment à améliorer l'action publique et à inviter, donc pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, les habitants à participer sur des sujets déjà définis à l'avance. Et entre les deux, sur les deux quartiers, on remarque
une voie peut-être un peu médiane entre ces deux formes de participation qui viendraient d'associations extérieures au quartier qui vont proposer des actions participatives sur des projets précis. Donc, je pense par exemple à Malpassé où une association d'architectes a remporté un appel à projet pour développer l'aménagement d'une place, d'un espace vacant en place de manière participative. Et donc, du fait de ces trois registres d'action qui sont différents et qui n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes présupposés théoriques, ça va induire plusieurs tensions dans l'action. Notamment le fait que, vu que les mobilisations citoyennes ont leur propre agenda et leur propre thématique de travail qui ne sont pas celles des formes plus dominantes de participation, les formes institutionnelles vont tendre plutôt à délégitimer ces mobilisations citoyennes, notamment parce que l'absence d'objectifs prédéfinis ou de calendrier calque mal avec les injonctions au fonctionnement par projet actuel. Et à l'inverse, les acteurs extérieurs dont je parlais tout à l'heure vont être davantage valorisés par les institutions parce que leur conception de la participation cadre mieux avec cette conception dominante. Donc c'est ce qu'on voit par exemple à Malpassé, où donc cette association d'architectes qui finalement, donc un projet qui était peut-être un petit peu raté, qui a eu peu d'écho en tout cas auprès des habitants et dont l'espace qui a été construit est finalement peu utilisé, et pourtant largement valorisé par les acteurs comme un projet d'envergure. Et donc ces premières tensions, on les voit notamment entre les formes radicales et ces acteurs extérieurs qui vont s'opposer, ou par exemple à Ciutat Meridiana, les associations se sont mobilisées contre l'implantation d'un Fab Lab dans le quartier en disant que que l'implantation d'un Fab Lab était complètement en désaccord avec les préoccupations des habitants et les besoins du quartier. Et ces tensions, elles sont aussi perçues par l'absence de relation qu'il va y avoir pendant un certain temps entre les mobilisations radicales et les pouvoirs publics qui vont ne pas être invités aux réunions de la table de quartier, par exemple, durant un certain temps. Mais pour moi, ces tensions, loin d'être une limite à l'action, elles vont au contraire permettre des formes de développement du pouvoir d'agir. D'une part, elles vont permettre de légitimer ces mobilisations radicales comme des contre-pouvoirs. Et je pense que dans un premier temps, on peut voir une forme d'émancipation au sein des mobilisations des habitants qui vont s'organiser autour d'intérêts communs ou de problématiques communes. Par exemple, donc, cette association de voisins qui a permis d'organiser les habitants autour de ces questions des expulsions, donc d'une part en organisant des réunions entre les habitants qui étaient susceptibles d'être victimes d'expulsion, et ensuite en mobilisant largement les habitants lors des expulsions pour manifester contre celles-ci et donc les empêcher. Cette mise en œuvre, à travers la mise en œuvre de leurs revendications, ces mobilisations, elles vont pouvoir légitimer leur registre d'action radicaux et donc renforcer ce contre-pouvoir. Donc, on le voit par exemple aussi à Malpassé où la table de quartier s'est saisie de la question de la dangerosité de l'espace public suite à plusieurs accidents qui avaient eu lieu. Et un petit groupe d'habitants s'est mobilisé pour mener une action avec des bombes de peinture signalant tous les espaces dangereux du quartier, qui par la suite a été largement médiatisé. Donc un reportage photo a été fait, a été présenté au centre social et a été envoyé aux acteurs institutionnels concernés. Donc on a eu une large médiatisation de cette démarche. Et donc à partir de là, je pense qu'on peut voir des formes de coopération ou en tout cas d'interaction avec donc d'autres espaces participatifs qui vont permettre de développer ces revendications. Et je pense qu'on peut les voir de trois manières. D'abord, lors de séances de travail entre les acteurs institutionnels et les habitants mobilisés. Donc, par exemple, à Malpassé, à la suite de ce travail sur l'espace public, les habitantes ont été invitées par les institutions à cartographier donc ce qu'elles avaient montré avec la peinture, donc et ont eu une formation sur l'outil cartographique pour pouvoir développer leurs revendications. On peut aussi voir ces interactions donc forcément avec les autres espaces plus légitimes de la participation, et ça c'est le cas à Ciutat Meridiana où les habitants
à la suite de leur consultation papier, ont présenté leurs résultats au conseil de quartier. Donc, il y a une instance de participation formelle qui, comme en France, n'a aucun pouvoir légitime, où était présente l'élu du district. Et donc, les habitants ont présenté leurs résultats, qui a été très bien accueilli d'ailleurs par la municipalité, qui a essayé de le développer dans d'autres quartiers sans que ça prenne autant qu'à Sous-Tête Méridiana, mais qui a quand même rappelé que le schéma directeur de la ville fonctionnait par district et que donc toutes les propositions qui avaient été faites par les habitants seraient revues à l'échelle du district et pas seulement à l'échelle du quartier. Et enfin, la troisième forme d'interaction, on la voit dans l'ouverture de réunions techniques internes aux institutions, aux habitants, et c'est ce qui s'est passé à Malpassé, où les habitants qui avaient donc participé à l'opération sur l'espace public ont été invités à une réunion de gestion urbaine de proximité, donc avec tous les partenaires de la politique de la ville. Donc, ont pu directement négocier sur les questions d'éclairage, par exemple, d'espace public auprès des institutions. Mais derrière ces trois formes d'interaction, bien sûr qu'il y a des rapports de pouvoir qui sont en jeu. Et il y a plusieurs contraintes et limites qui font que finalement ce processus d'émancipation il reste assez limité. D'abord, je pense qu'au sein des mobilisations même, on peut voir plusieurs limites. À Marseille, ce qui me paraît intéressant, c'est que les enjeux dont s'est saisie la table de quartier sont des enjeux très locaux, très même micro-locaux propres au quartier, où finalement ils pourraient participer à une forme de dépolitisation de ces enjeux. La table de quartier s'intéresse beaucoup aux enjeux de cadre de vie, qui s'expliquent par plusieurs raisons. Et finalement, alors que l'éducation ressort comme une thématique très importante parmi tous les habitants qui y participent, que j'ai pu interroger, celle-ci n'est pas traitée par la table de quartier. Donc la table de quartier ne réussit pas à imbriquer des enjeux vraiment du quartier très locaux avec d'autres enjeux sociaux plus généraux. Une autre limite qu'on voit à Sous-Tête Méridiana, ce serait le renouvellement des formes d'action collective. Parce que donc à Sous-Tête Méridiana, ce qui est différent, c'est que on est dans un quartier où les mouvements sociaux sont très structurés, sont là depuis très longtemps, et où ils n'ont pas vraiment pu s'adapter au changement de population. À Sous-Tête Méridiana, depuis les années 2000, on est passé de 0% d'immigration à 40%. Donc c'est un quartier qui accueille beaucoup de populations immigrées qui ne sont pas forcément présentes dans le tissu associatif, si ce n'est comme bénéficiaires des actions contre les expulsions, puisque c'est eux qui sont le plus touchés. Et au sein des formes d'interaction que j'ai présentées, on voit aussi des enjeux de pouvoir très forts. Donc on remarque notamment que dans les deux cas, les responsables institutionnels tendent à gommer le caractère radical et conflictuel des démarches citoyennes en essayant de les faire cadrer avec leurs propres normes participatives. Donc par exemple, à Malpassé, le technicien en charge d'animer cette réunion interne sur la gestion urbaine présente l'objet de cette réunion en rappelant les travaux de la table de quartier et aussi en expliquant que c'est aussi le fruit d'un travail avec le conseil citoyen, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas, mais pour d'une manière légitimer d'autres formes de participation débutante dans un registre institutionnel. Et de la même manière, donc je le disais tout à l'heure, à Sous-Tête Méridiana, les résultats qu'ont donné cette consultation papier ont été remaniés par les élus à une échelle du district, soi-disant incorporée dans les grandes lignes du schéma directeur, sans qu'il y ait eu de retour vraiment formel vers les habitants. Et donc, pour conclure, je pense que ces formes d'émancipation, qui sont certes limitées, sont différentes en France et en Espagne, notamment du fait de l'histoire, de la structuration de ce que j'appellerais le paysage participatif. À Marseille, l'intervention dans les décisions par les habitants, elle me semble plus facile parce qu'on est sur des institutions qui sont encore peu formalisées et donc où les possibilités d'action sont plus développées, alors qu'à Barcelone, les mouvements sociaux comme les espaces participatifs institutionnels sont là depuis très longtemps, sont très institutionnalisés. Et donc, finalement,
le développement du pouvoir d'agir va se faire davantage au sein des mouvements sociaux qui vont développer leur propre mode d'action que dans les interactions avec d'autres formes de participation. Merci. Alors, on enchaîne directement avec Céline Vénia. Donc dont le titre de la communication est l'accès à la parole publique des habitants des bidonvilles, de la représentation à l'émancipation. On a changé par rapport à l'ordre initial du programme pour rassembler au fond les communications qui, bon, pour un souci de cohérence, qui s'intéressaient aux, on peut dire, à des populations marginalisées, les quartiers populaires. Et ici va être question des Roms, par exemple. Merci, bonjour à tous. Donc moi, j'ai mené une enquête ethnographique auprès de familles roumaines vivant dans différents bidonvilles en région parisienne. Et donc j'ai suivi, en fait, j'ai eu plusieurs casquettes, on va dire. J'ai travaillé comme bénévole dans une association qui fait de la médiation sociale auprès des habitants. Et j'ai aussi pris part, en fait, en tant que membre de plusieurs collectifs de soutien, en fait, aux mobilisations, aux délibérations, en fait, et notamment en lien avec les différentes municipalités. Donc là, en fait, ma communication, elle sera organisée autour d'un épisode de mobilisation suite à l'annonce d'une expulsion du bidonville. Et elle mettra en scène, en fait, je me concentrerai sur les interactions entre les familles roumaines, les membres du collectif de soutien et les élus locaux. Voilà, ce sera les trois personnages principaux. Et mon objectif, en fait, ce sera d'interroger justement les formes de participation mises en œuvre par les habitants. Donc je parlerai des habitants et des familles, en fait, pour faire entendre justement leurs paroles et, dans une certaine mesure, s'émanciper de leur représentation. Moi, la notion d'émancipation, je la mobilise pas forcément, mais voilà, on pourra en discuter. Alors, pour préciser un petit peu, voilà, ma perspective, en fait, moi, je m'inscris dans une perspective pragmatiste et j'ai pour objectif, en fait, justement, de donner du crédit à la parole et aux pratiques des habitants et de décrire, justement, les formes de mobilisation produites en situation. Et on verra aussi, à la fin de la communication, les capacités mises en œuvre dans les espaces de délibération avec la municipalité. Et notamment, pour faire le lien aussi avec la discussion de tout à l'heure, mon approche ethnographique me permet ici, en fait, de remettre en cause l'approche en termes de domination et de vulnérabilité, hein, qui est souvent mobilisée dans le discours sur les familles roumaines vivant en bidonville, hein, qui sont justement communément assignées à la catégorie Rom. Hein, donc moi, je remets en cause aussi cette confusion entre la forme d'habitat et puis l'assignation identitaire. Enfin, plus précisément, moi, je m'intéresse à eux parce qu'ils vivent en bidonville. Voilà. Je vais montrer, en fait, que les pratiques de mobilisation, elles permettent de valoriser le pouvoir d'agir des familles qui sont justement perçues habituellement comme des acteurs faibles, hein, ou n'ayant pas accès à la parole publique et devant justement être représentés par des acteurs qui maîtrisent davantage les codes de la participation politique. Alors, je montrerai, hein, malgré tout, qu'il y a une complémentarité entre les formes de mobilisation des familles et de leur soutien, du collectif de soutien qui les suit. Mais là, je me concentrerai, en fait, voilà, sur cette espèce de contournement, hein, cette capacité d'agir en vue de défendre leurs intérêts propres d'habitants du bidonville. Ma présentation sera découpée en trois temps. Je vais essayer de tenir le timing. Et ces trois temps, voilà, correspondent en fait aux étapes de la mobilisation. Donc d'abord, suite à l'annonce de l'expulsion, je montrerai, en fait, que les habitants, les familles vont tenter de transposer leurs émotions et leurs expériences situées en mobilisation et en publicisation dans les délibérations avec la municipalité. Ensuite, je montrerai, en fait, qu'ils vont, d'une certaine manière, contester la représentation et notamment le rôle joué par les représentants du collectif de soutien en ayant recours, en fait, aux discussions en coulisses et aux confidences et aux négociations informelles. Donc ça, ce sera ma deuxième partie. Et enfin, dans un dernier temps, je montrerai, en fait, que les habitants valorisent certaines capacités qui remettent en cause le jeu habituel des interactions avec les autorités locales. Donc premièrement, je m'appuierai aussi, je n'ai pas précisé, parce que bon, je fais de l'ethnographie, donc je m'appuierai sur des séquences, hein, d'observation. Je vous donnerai à voir, en fait, quelques éléments de mes terrains.
Donc, première partie, je l'ai intitulée « Transposer ses émotions et son expérience située des expulsions en mobilisation ». Donc, je précise que, voilà, pour les familles, en fait, j'insiste aussi sur le terme « habitant » parce que c'est vraiment important aussi pour les familles de définir ce lieu comme un lieu, comme une forme d'habitat. Donc, l'expérience, voilà, l'expérience des expulsions répétées peut être perçue justement comme une situation de violence hein, qui va être transposée en situation problématique et se traduire par l'expression de différents registres d'émotions. Donc là, je vais prendre l'exemple en fait d'une réunion voilà, avec la municipalité au cours de laquelle une délégation d'habitants et de membres du collectif de soutien est reçue en fait hein, suite à l'annonce... Suite à la publication en fait d'un arrêté municipal d'expulsion. Bon, je ne rentre pas dans les détails sur les manières de sur la dimension juridique, mais là précisément en fait il s'agit en fait c'est la mairie qui a ordonné en fait l'expulsion, donc c'est à eux qu'on va s'adresser. Donc au cours de cette réunion, voilà, au moment du tour de table, donc en début de réunion hein, habituellement, voilà, tout le monde va se présenter par son prénom et puis préciser si on est habitant ou soutien. Et donc là, Christina, une jeune femme du bidonville, se présente timidement dans un français approximatif. Je la cite. « Bonjour, je suis une femme qui habite la place, que c'est le problème. J'ai 3 enfants scolarisés et un bébé de 2 mois et j'espère qu'ils trouvent une solution. » Bon, je ne fais pas l'accent roumain, mais parce qu'il n'y a pas de dormir, il n'y a pas de dormir, je vais partir où avec les enfants ? Les enfants vont pleurer, etc. Donc, en fait, elle se présente, mais en même temps, elle commence à exposer la situation. Donc là, une élue l'interrompt, l'élu au logement l'interrompt, et elle dit, voilà, on se présente d'abord, mais on connaît la situation, madame. Ensuite, Christina reprend sur un ton plaintif. Enfin, voilà, c'est un personnage particulier, hein, Christina. Moi, j'ai personne qui est resté la place. La place, en fait, c'est le platz en roumain. En fait, c'est le nom qui est donné au lieu, hein, parce que voilà, ça revient tout le temps. J'ai personne qui est resté la place là-bas. Il n'y a rien où partir dormir. C'est beaucoup des personnes, vous savez, c'est des malades, c'est des familles. Moi, je ne sais pas où partir. Voilà, elle reprend un peu plus tard en fait, hein, en disant que voilà, c'est très difficile en Roumanie, il n'y a pas d'argent, etc. Et puis, justement, en fait, ce que je voudrais montrer dans son discours, c'est que, en fait, Christina, elle mobilise donc le registre des émotions dès sa première prise de parole, hein, en se présentant. Et en fait, elle va d'une implication, c'est-à-dire personnelle, c'est-à-dire de son expérience personnelle de l'expulsion, voilà, avec sa famille, ses enfants, etc., à une qualification plus large, c'est-à-dire qu'ensuite elle va, au fil de la réunion, en fait, faire référence aux habitants en général, aux Roms en général, hein, un peu plus loin. Donc elle va en fait chercher à mobiliser le registre émotionnel en fait pour susciter le concernement et l'empathie pardon de ceux qui sont perçus comme responsables de la situation hein, avec l'idée que voilà avec l'intention de provoquer un changement de décision en fait pour essayer d'éviter cette expulsion ou en tout cas de trouver un projet de relogement on va voir par la suite donc là en fait il y a une circulation voilà ce sur quoi je voulais insister je passe des choses c'est qu'il y a une circulation du discours entre un problème à résoudre immédiatement qui est situé localement et qui la touche directement et une situation économique, sociale, politique plus globale dans son pays d'origine et pour ceux qu'on appelle les Roms en France et en Europe plus généralement. Voilà, je passe. Donc après, voilà, cette expérience située, elle va être évidemment accolée et complémentaire avec une démarche de publicisation hein, de l'expulsion qui se fera en lien avec le collectif de soutien. Donc, je passe très vite. Donc, sur le deuxième épisode, en fait, c'est pas vraiment, ça suit, si vous voulez, le fil chronologique suite à l'annonce de l'expulsion. Il va y avoir, en fait, la formation d'un collectif autour d'un projet de relogement. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de savoir quels sont les habitants qui vont être retenus dans ce projet de relogement. Et donc là, il y aura justement une mobilisation du collectif de soutien et des familles. Donc ce que je vais essayer de montrer là, c'est que les familles, en fait, elles vont chercher à contourner, à contester d'une certaine manière la représentation hein, qui, portée par le collectif de soutien. Et j'insiste hein, voilà, sur la complémentarité entre les délibérations sur la scène politique locale et les négociations justement informelles en coulisses qui vont mettre en tension justement des pratiques de publicisation et de dissimulation. Donc, deuxième épisode. Ça va, ça rentre.
Donc voilà, Donc, pas, oui, si je reprends sur la notion de complémentarité, excusez-moi, je me suis perdue dans mes notes. Donc voilà, les habitants du bidonville, en fait, tout en ayant recours à des porte-paroles reconnues, mobilisent le registre de l'évitement et des confidences hors scène pour affirmer leur liberté de choix et contester la décision collective en coulisses. Donc pour illustrer en fait cette forme de contestation, je vais vous donner à voir en fait un autre séquence en fait. Donc là, c'était une réunion qui s'est tenue dans le bidonville, donc concernant le projet de relogement, enfin le projet qui est en chantier, hein, qui n'a pas forcément abouti. Et en fait, cette réunion, elle se tient, donc c'est une réunion, si vous voulez, préparatoire à la réunion qui se tiendra avec la municipalité. Donc là, en fait, il y a une réunion entre les habitants et les membres du collectif de soutien. Donc juste avant le début de la réunion organisée par le collectif de soutien, deux membres actifs du collectif de soutien qui jouent aussi le rôle de médiateur et de traducteur, font le tour des familles du bidonville pour les... Donc elles vont faire le tour des baraques pour inviter les familles à assister à la réunion. Donc au cours de la réunion, une discussion s'engage autour de la question « Faut-il ou non donner suite aux convocations envoyées par la municipalité de participer à des commissions restreintes en fait, pour constituer la liste des habitants hein, ?» Parce que la municipalité va essayer de dresser une liste des personnes qui sont sur le bidonville depuis longtemps. En fait, il va y avoir plusieurs critères. Il va y avoir le fait d'être là depuis longtemps, le fait que les enfants soient inscrits à l'école et assidus, etc. Enfin, il y a plusieurs... Voilà. Il y a plusieurs critères qui sont retenus. Et donc, les familles vont être reçues, en fait... on va proposer, là, dans un premier temps, aux familles d'être reçues individuellement. Et justement, en fait, la discussion, elle va porter sur... est-ce qu'on va se rendre à ces commissions ou pas? Voilà, c'est ça la question qui se pose là dans cette réunion. Donc, les échanges sont entrecoupés par une agitation, des tentatives de prise de parole, etc. Puis, au final, hein, donc, il y a quand même... ça remue un petit peu quand même, malgré tout... Au final, la décision de ne pas se rendre aux commissions est prise hein, collectivement, mais on sent qu'elle ne convainc pas forcément tous les participants. Et donc, un petit peu après la réunion, en fait, une des membres du collectif de soutien passe visiter un habitant, un vieux monsieur, en fait, voilà, qui habite dans le bidonville depuis longtemps, qu'elle connaît bien. Et donc, ils vont discuter, ils vont parler de la carte grise, ils vont parler du médecin, les discussions autour des papiers et des problèmes de santé habituels. Et puis, à un moment donné, l'habitant lui annonce, en fait, annonce à la jeune femme là, qui fait partie du collectif de soutien, que lui a décidé, en fait, de participer aux commissions tenues par la mairie. Donc il précise hein, qu'il n'a pas, pour lui, il n'a pas à être solidaire avec des gens qu'il n'aime pas, avec qui il vit de manière contrainte. Et donc la jeune femme lui demande, mais pourquoi tu n'as pas pris la parole justement au moment de la réunion, si tu n'étais pas d'accord, pourquoi tu n'as pas pris la parole, pourquoi tu n'as pas contesté la décision en public? Et lui répond, en prenant un ton un petit peu plus colérique, en disant, nous, on était là, on est resté là, on s'est fait expulser à plusieurs reprises, chassés comme des chiens, on était à la rue, etc. Si on est là aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à vous, le collectif de soutien, mais sans nous, personne ne serait là. Donc nous, on s'est mobilisés depuis le début, etc. Alors maintenant, on pense à nos familles et uniquement à nos familles. Et ensuite, il lui demande si elle veut bien l'accompagner demain pour la réunion avec la mairie. Et donc la jeune femme, considérant que l'argumentation de l'habitant se défend, décline tout de même l'invitation en exposant ses raisons. Voilà, donc la discussion continue. Bon, moi je m'arrête là. Juste, je voudrais insister sur le fait que la position défendue par cet habitant là qui veut se rendre aux commissions pour établir la liste en lien avec le projet de relogement, elle peut être comprise comme une volonté de mobiliser ses capacités d'expression. Pour défendre l'accès au logement pour sa famille. Voilà, il le dit, hein, il se bat pour sa famille. Et donc, je passe, j'ai quand même une troisième partie. La réunion avec les élus, là, peut-être à la fin. Oui, voilà, je vais y venir. Ouais. Donc justement, juste pour se terminer sur ce passage-là, le registre des tractations en coulisses mobilisées par l'habitant s'inscrit dans une remise en cause
du silence comme approbation d'une décision perçue comme collective et illustre ici la capacité des habitants à produire d'autres formes de participation politique. Donc j'insiste beaucoup ici sur l'importance des discussions en coulisses, comme certains collègues ici, et sur la nécessité justement de tenir compte des différentes formes de participation. Et donc sur la dernière partie, sur les formes, justement la remise en cause du format de délibération au moment de la réunion avec la municipalité. Ce que je disais au début, c'est que les habitants des bidonvilles sont perçus comme des acteurs. Alors, j'ai parlé d'acteurs faibles ou j'ai parlé aussi dans un article d'incapacité, comme des personnes qui sont situées hors du jeu démocratique, qui doivent être représentées justement par des acteurs du réseau militant local, dotés, eux, des capacités attendues et perçues comme légitimes dans les espaces de publicisation, de délibération politique. Et donc, ce que je voudrais monter dans la dernière partie, c'est que je vais donner quelques éléments sur un épisode de mobilisation qui montre qu'au contraire, les habitants du bidonville vont bousculer le cadre habituel des pratiques du discours public en s'appropriant la parole d'une autre manière. Donc, je viens à la séquence, comme ça vous comprendrez mieux où je veux en venir. Je donne un petit extrait d'une réunion qui s'est tenue, en lien toujours avec ce projet de relogement. Donc, à mesure que s'approchent les échéances relatives à la validation de la liste des habitants retenus pour le projet de relogement, la présence des habitants du bidonville aux réunions à la mairie est en constante augmentation. Et là, du coup, il y a des femmes qui sont présentes. Enfin, là, pour le coup, au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais là, cette réunion-là, il y a plusieurs femmes. Et donc, là, les prises de parole des habitants, qui se faisaient un peu timides au début, vont devenir beaucoup plus fréquentes et plus revendicatives. Et là, lors de la dernière réunion avant le départ prévu du terrain, donc avant l'expulsion proprement dite, les habitants sont beaucoup plus nombreux. Au début, l'élu qui a suivi le projet ouvre la réunion en expliquant un peu comment va se passer le déménagement. Il précise qu'à la fin de l'été, tous les habitants devront avoir quitté le terrain. Donc il y a une dimension aussi d'urgence d'événement. Donc il y a une médiatrice qui traduit en roumain, qui est salariée de la mairie. Un des habitants qui participe régulièrement aux réunions depuis le début demande que la date du départ soit précisée. Ensuite, une autre habitante s'adresse à la traductrice sur un ton vif, en l'interpellant, etc. Ensuite, un autre habitant prend la parole à voix forte en même temps que la jeune femme. Donc il y a une espèce de brouhaha qui se met en place. À ce moment-là, l'élu qui a parlé au début dit « chut, chut » en tapant sur la table pour faire cesser un peu les débordements verbaux. Et précise, si c'est pas chacun son tour pour parler, c'est pas possible, etc. Donc, je passe sur plusieurs choses. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette réunion, les prises de parole, il y a des prises de parole de manière un peu intempestive des habitants. Je termine sur une petite chose. C'est que, ce que j'ai essayé de montrer à travers ce court extrait, c'est que les habitants, vont... transposer des pratiques qui sont perçues comme des incapacités. Donc ici, par exemple, la non-maîtrise du français, je le montre beaucoup plus dans mon article, et le respect des règles de la prise de parole en réunion vont transposer ces formes d'incapacité en capacité justement à s'insérer dans le discours public, dans la délibération publique. Et juste en conclusion, s'il me reste une minute, je voulais juste préciser que cet épisode il est situé dans une expérience, dans une forme de configuration locale où il y a des liens avec un collectif de soutien, que c'est pas toujours le cas, c'est pas le cas dans tous les bidonvilles. Et je voulais préciser aussi que cet épisode, ces formes de mobilisation constituent un type de mobilisation
dans l'espace public, en fait, mais qu'à côté de ça, en fait, les familles vont concilier ces différentes formes de mobilisation dans l'espace politique local avec des pratiques de débrouille au quotidien et notamment des pratiques d'occupation de l'espace urbain. Hein, et notamment, au moment des expulsions, ils vont chercher à reconstruire le bidonville, à réoccuper des emplacements dans l'espace de la ville, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée. Merci, désolé, hein, je fais un peu le censeur, c'est pas un rôle facile à tenir, mais je suis un peu, le programme nous y oblige. Comme je l'avais annoncé, on peut prendre peut-être quelques questions, quelques réactions pour offrir une sorte de respiration délibérative dans cette succession de présentations. Jérémy, alors, hop, je vais monter. Ouais, merci pour vos interventions. J'aurais une question pour Marion. Je voulais savoir si le registre du contre-pouvoir, il est mobilisé par l'animatrice du centre social et par le reste de l'équipe ou pas, parce que tu dis que c'est un registre qui est mobilisé dans le cadre de la table de quartier. Donc est-ce que le directeur du centre aussi mobilise ce type de registre? Est-ce que le conseil d'administration, voilà. Et en lien avec cette question-là, est-ce que la situation pour le centre social se retrouve fragilisée par cette position de contre-pouvoir? Alors même qu'il est sûrement, comme beaucoup de centres sociaux en France, financé en très grande partie par les pouvoirs publics. Voilà. S'il y a d'autres questions, d'autres réactions, alors Catherine, ça va me faire... C'est à la fois une question et une remarque. Lié aussi à des discussions qu'on a eues dans les deux journées précédentes, qui tournent à la fois sur les qualificatifs qu'on utilise pour décrire ce sur quoi on travaille. Qu'est-ce qui fait la radicalité d'un mouvement ? Voilà, quels sont les critères qui nous permettent de dire ce mouvement-là est radical et ce mouvement-là est institutionnel, ou l'institution ne peut pas être radicale ? Enfin, voilà, j'ai des questions là-dessus sur les lignes de partage et les catégories qu'on mobilise pour décrire. Et effectivement, est-ce que c'est celle des acteurs ou est-ce que c'est les nôtres ? Et je pense que c'est important de le préciser. Et puis des questions aussi sur l'expérience au petit Nanterre. Des difficultés, enfin, y compris des militants, voire des radicaux, peuvent avoir du mal à quitter la posture de l'avant-garde qui est dans le peuple, supposée par l'émancipation et le pouvoir d'agir. Et voilà, donc là aussi, quitter des pensées dichotomiques, et on voit bien sur la difficulté qu'ont certains travailleurs sociaux à se mettre dans une autre posture, mais les militants peuvent avoir la même difficulté. Je pense que c'est important de le souligner. Une dernière question, remarque peut-être. On a dit qu'on allait jusqu'à 14h, c'est ça? Vous n'avez pas faim, hein? Donc, il n'y a pas de... Alors, du coup... Ah, monsieur. Oui, non, mais on a plein de temps. On va s'émanciper du programme. Merci, c'était une question sur la dimension linguistique de vos terrains. Je pense aussi au terrain de Julien ce matin sur Los Angeles. En fait, vous travaillez manifestement dans des ambiances multilingues et vous ne l'évoquez pas, en fait. Donc, quel rapport ça avait, d'autant plus dans le cadre français, sur le monolinguisme assez normatif? Voilà. Moi, j'aurais une petite question par rapport à la question des enjeux micro-locaux. En quoi les enjeux micro-locaux seraient-ils moins émancipateurs que des enjeux pensés comme plus stratégiques, ou parce que quand on parlait d'émancipation comme maîtrise de son environnement, eh bien là on a les enjeux micro-locaux sont un cas parfaitement précis sur la manière dont on peut modifier ses conditions de vie, les conditions de son entourage, de sa famille. Voilà, je pense que ça c'est vraiment une des limites dans la littérature, souvent sur la participation, c'est de penser les enjeux micro-locaux comme des enjeux dépolitisés. Alors, voilà, est-ce qu'on assimile la politique à la politique partisane ou politicienne? Voilà. Alors, pour une dernière question. Merci. Alors, ce qui me
me gêne un peu là dans les exposés, c'est on parle jamais de l'activité des gens, quoi. C'est-à-dire que ce sont des habitants. À part à un moment, il y a des habitants expulsés. Bon. Donc il y a toute une action, réaction par rapport à un acte politique, l'expulsion. Voilà. Mais à part qu'on les présente quelquefois à un moment comme des mères de famille d'enfants scolarisés, donc on voit bien que là, il y a un enjeu au niveau de l'activité, mais jamais les habitants ne sont des travailleurs. Alors, ou bien, alors évidemment, comme c'est des populations marginalisées, peut-être qu'ils sont tous chômeurs, ils sont tous, mais même les chômeurs sont à la recherche d'un travail, ou peut-être qu'ils sont dans des activités souterraines. Alors, de toute façon, les mères de famille, elles ont un travail domestique, elles ont une activité domestique. Mais on ne fait jamais, elles ne parlent jamais, enfin, d'après les présentations, à partir de leur activité. Qu'est-ce qu'elles font dans cette activité? Qu'est-ce qu'elles créent? Mon avis, elles créent quelque chose, quoi. Y compris des savoirs, sans doute. Alors, c'était un peu dans les... par rapport aux Roms, ça a été un peu évoqué, mais voilà. Alors que pour moi, ce serait un peu central, quand même, cette question-là. Merci. Alors moi, j'aurais plein de questions aussi, mais je vais me censurer pour que vous ayez le temps de répondre. Je vous propose que chaque intervenant prenne 2 minutes max pour réagir, parce que de toute façon, on aura de nouveau un moment de discussion à la fin. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que moi, par exemple, sur le Petit Nanterre, j'y venais pour triturer les gens. Moi, la participation, en fait, j'ai pas d'atelier, j'y faisais rien sur le Petit Nanterre. Donc, je les ai vraiment triturés. La complexité par rapport à la place des habitants et où sont les gens, c'est que moi, je faisais déjà, ma porte d'entrée, c'était de comprendre comment les autres fonctionnaient avant de m'imposer, moi, en tant que leur donner des leçons sur comment ils devaient faire participer les gens. Et c'est vrai que c'est assez complexe, mais en même temps, c'était important de le vivre. La petite anecdote, c'est qu'à la fin, on a fait une restitution collective qui a été montrée, je ne sais plus trop où, et ils ont complètement zappé mon nom et ma structure, alors que je suis quasiment qu'à le participer le plus à la recherche-action. Mais maintenant, ça a déclenché des rapports aussi assez intéressants entre les gens, et on vient me chercher sur des enjeux un petit peu de faire autrement, de tiens, comment on peut aller plus loin, mais on voit que c'est assez à la marge. Après, moi, l'un des acteurs qui n'a pas été évoqué, mais je vous le donne en tête, c'est qu'il y avait la mairie, nous aussi, qui participait à cette recherche-action. Et ça a donné une tournure très particulière, et pour l'anecdote, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, ça a continué, et ça continue, et moi, je continue à les triturer. C'est se poser la question de, mais nous, déjà, soit, comment on intervient, qu'est-ce qu'on fait, comment on est, qui on est, enfin, on l'entendait ce matin. Et donc, d'être toujours, moi, je suis toujours en train de me triturer, donc, à terme, je triture les autres, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je passe pour le poil à gratter sur les quartiers, parce que je viens toujours poser la question qui fâche, quoi. La dernière fois, j'ai dit, mais la trace, on garde aucune trace de rien, et celui qui est absent, vous en faites quoi ? Et personne n'a su y répondre. Même, enfin, voilà. La mairie, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie de la recherche-action, on a pensé, j'ai beaucoup évoqué l'organisation communautaire en disant bah, peut-être que ça nous ferait bouger différemment. Toutes les structures disaient on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on a la tête dans le guidon, nos salariés n'ont déjà pas le temps de faire ce qu'ils font, donc comment on pourrait faire mieux? Et moi, je leur ai dit, bah, moi, je ne fais rien, enfin, ma structure en tout cas, mais peut-être que ça pourrait être intéressant ou pas. C'est-à-dire, et la finalité a été qu'on s'est dit, ben, formons-nous à l'organisation communautaire pour déjà comprendre ce que c'est, et puis après on verra ce qu'on en fait. Et ce qui est l'anecdote aujourd'hui, c'est que la mairie, en tout cas, récupère ce mouvement en le sortant du quartier pour le mener sur toute la ville. Au début, ça devait être une formation sur le quartier avec ces associations-là. Aujourd'hui, il y a 4 quartiers prioritaires sur Nanterre. Ces 4 associations de ces 4 quartiers, que moi je connais très bien maintenant, historiques aussi, qui ont été choisies, qui doivent potentiellement essayer de faire des conseils citoyens ou pas. Et là, ben, on devrait faire une formation en février pour se connaître,
pour faire ensemble. Et moi, je leur ai dit, mais c'est pas le but de la formation, les gars. Va falloir, enfin, vous allez créer des frustrations énormes parce qu'on va tous vouloir se bouger. Et la mairie a vraiment essayé de remettre la main sur ces enjeux-là. Donc, c'est assez intéressant comment ça suit et comment ça vient encore questionner les acteurs aujourd'hui. Sur l'utilisation des termes, je pense que c'est un enjeu en soi de la recherche-action. Alors là, la spécificité, la difficulté, je trouve, de notre démarche, c'est que on ne peut pas dire qu'on soit dans une démarche à 100% scientifique. On a des difficultés là, à passer de ce qu'on a fait sur le terrain en utilisant une méthodologie qui n'est pas forcément éprouvée scientifiquement à un registre scientifique. Et du coup, cette définition des termes, ça revient à la relation acteur-chercheur aussi, cette définition des termes, en fait, on y a passé beaucoup de temps au tout début de la recherche-action à essayer de se positionner, tout ça. Et en fait, c'est devenu bloquant. Parce que chacun restait un peu sur ses positions, on n'arrivait pas à trouver de posture commune, et que ça nous a travaillé en fait tout au long de la recherche action, et que là, c'est vrai que c'est pas, enfin, en fait, on aurait pu faire une communication autour de ça, autour de la définition des termes, et qui utilise quel terme, pourquoi, et qu'est-ce que met chacun derrière ces termes, mais c'est vrai que c'est pas l'angle qu'on a choisi là, mais c'est évidemment prioritaire. Juste, la posture de la chercheuse, la chercheure ou chercheuse d'ailleurs, éclairez-moi sur ce terme, mais à nombreuses reprises, elle était amenée à rappeler le cadre de la recherche-action, et j'espère avoir un peu joué ce rôle-là, mais de la sauver, c'est-à-dire à des moments, on venait la chercher en disant « bon, tu nous rappelles ce qu'on doit faire, bon, tu nous rappelles où on en est, bon, tu nous rappelles le cadre où on va ». Puis elle leur disait « mais les gars, c'est vous qui bossez, enfin, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ». Et jouer aussi ce rôle de leur dire « mais non, c'est à nous, quoi. Arrêtons de lui remettre sur le dos une décision qui ne lui appartient pas ». En plus, elle était très claire, mais c'est vrai que c'était assez curieux. Alors, j'ai peut-être essayé de répondre, peut-être pas à tout, mais à certaines questions. Alors, concernant précisément la table de quartier, est-ce que l'animatrice utilise le registre contre-pouvoir ? Oui, de manière très ouverte, que ce soit... lorsqu'elle va en réunion organiser un peu l'animation de la réunion. Donc ça va être clairement sur un registre de contre-pouvoir un peu en opposition avec les institutions. Et dans les entretiens que j'ai pu mener, c'est aussi très clair. Et est-ce que ça fragilise le centre social ? Pas vraiment, en fait. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dès le départ, il y a eu une volonté de dissocier la table de quartier du centre social dans les discours, ce qui fait que finalement, toutes les autres activités du centre social sont assez éloignées de la table de quartier, donc ce qui pose aussi d'autres questions. Mais du coup, par exemple, le centre social, en juin, a été dans une situation financière assez critique, et le rôle de la table de quartier, loin de faire que les financeurs s'éloignaient un peu du centre social, ça a permis de débloquer cette situation compliquée. Sur la question des enjeux micro-locaux, alors c'est très intéressant votre remarque, c'est un enjeu, enfin quelque chose que j'ai dit où je ne suis pas complètement sûre de moi, donc merci de votre remarque. Je suis tout à fait d'accord que maîtriser son environnement, c'est un potentiel émancipateur. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les entretiens que j'ai pu mener avec les participants à la table de quartier et d'autres habitants du quartier, lorsque je leur demandais quelles étaient un peu les injustices ou les inégalités qui venaient dans leur vie, c'était des questions, par exemple, sur l'éducation. L'éducation des enfants revenait beaucoup. Et à côté de ça, les thématiques mobilisées par les habitants au sein de diverses associations ne collaient pas forcément avec, pour eux, les plus grandes problématiques dans leur vie. Donc c'est pour ça que je fais un peu peut-être cette distinction. Autour de la question linguistique, alors je ne sais pas si j'ai forcément bien compris la question. Donc moi, c'est vrai que je travaille sur deux terrains où il y a trois langues, français, castillan, catalan. Alors, je n'ai pas encore réfléchi à comment ça avait, quel impact ça avait eu sur ma recherche. Je maîtrise très bien deux de ces langues, le catalan un peu moins bien, mais quand même suffisamment pour pouvoir comprendre tout ce qui se dit. De manière générale, dans les quartiers populaires à Barcelone, on ne parle pas catalan. Parce que le fait qu'il y ait une population immigrée assez récente qui ne maîtrise pas cette langue fait que tous les acteurs parlent en castillan, sauf l'élu du district qui, elle, lorsqu'elle débarque au conseil de quartier, dit à tout le monde que non, ça va se passer en catalan parce qu'on est à Barcelone, donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, sur les activités des gens... j'ai pas pu le mentionner, mais
Dans les deux quartiers, il y a un taux de chômage qui est assez, assez important. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui participent sont au chômage, mais une partie. Mais en tout cas, cette question, elle a été prise en compte par les deux mobilisations que j'ai étudiées, puisque dans les deux cas, les horaires ont été adaptés pour essayer de coller à la fois aux gens qui travaillent et aux gens qui ne travaillent pas. La question de garder les enfants pour les mères au foyer a aussi largement prise en compte lors des réunions. Voilà. Alors, merci pour les remarques et questions. Donc, sur la question de la distinction entre formes de mobilisation radicale, institutionnelle, en fait, moi, je pense qu'il y a une circulation, justement, sur les formes d'expérience. Enfin, là, par exemple, moi, j'essaye de montrer qu'il y a une contestation. Alors, après, c'est situé hein, du cadre habituel, du format des délibérations en réunion. Mais en fait, en réalité, il y a des personnes qui, en lisant mon papier, m'ont dit mais en fait, là, les Roumains, ils parlent tous en même temps très fort, mais c'est pas si différent que ça des formes, justement, de prise de parole dans des lieux beaucoup plus institutionnels. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une circulation et sur même l'inscription, c'est-à-dire que, par exemple, moi, parmi les familles que je suis, hein, ça fait plusieurs années que je les suis, il y en a petit à petit qui ont pris un rôle, justement, alors je ne sais pas, de représentation, mais qui, en tout cas, vont s'inscrire de par leur capacité, par exemple, de parler le français ou de par, déjà, leur statut un peu de représentant sur le lieu de vie, hein, bon, pour plusieurs raisons, ils vont en fait s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler une forme de carrière militante, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre petit à petit, justement, à s'inscrire dans une forme plus institutionnelle. Hein. Certains vont même devenir militants associatifs, etc. Donc je pense qu'il y a une circulation en fait, entre ces différentes formes de mobilisation. Sur la dimension linguistique, je suis très contente que vous posiez la question, parce que moi, c'est primordial, c'était primordial justement dans ma troisième partie que j'ai dû raccourcir, donc je peux y revenir, ça me fait plaisir. Justement, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que les familles, elles parlent roumain ou roumanie, hein, selon certaines... Moi, les familles que j'ai rencontrées, elles parlaient plutôt roumain, en fait. Et moi aussi, je parle roumain, donc ça m'a arrangé. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que dans le format des réunions, en fait, cette question de la traduction, elle est venue assez vite. Enfin, là, en tout cas, dans l'épisode que je développe, ça va dépendre aussi beaucoup, hein, parce qu'il y a vraiment, sur certains bidonvilles, certains habitants vont maîtriser le français et donc pouvoir avoir une posture, justement, de porte-parole plus forte. D'autres terrains, tous les échanges vont être traduits, etc. Là, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès les premières réunions avec la municipalité, il y a eu une demande, justement, des habitants de traduire. Et du coup, ça, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que ça va aussi ralentir, justement, le rythme des réunions, hein, et ça va même créer, dans certains cas, un entre-soi, j'ai parlé d'entre-soi linguistique, mais entre les habitants du bidonville, qui vont pouvoir, justement, discuter en roumain, et ça va être inversé, si vous voulez, ça va être les élus qui vont dire, mais qu'est-ce que vous dites, on comprend pas, etc. Hein, voilà, donc cette dimension linguistique, elle est vraiment très importante. Sur les enjeux micro, ce que vous avez appelé les enjeux micro-locaux et le fait de considérer que chercher à améliorer ses conditions de vie et son environnement, c'est une forme d'émancipation, je suis tout à fait... Voilà, moi, je m'inscris... Je suis contente d'entendre que s'intéresser, en fait, à ce qu'on pourrait appeler la micro-politique, c'est bien, voilà, c'est bien une forme... C'est bien des formes de mobilisation politique, hein, que la politique, elle peut se jouer... comme on dit parfois par le bas, mais voilà, elle peut se jouer au quotidien dans les activités des habitants, que ce soit des quartiers populaires ou ailleurs. Et dernière question sur la question des activités et du travail. En effet, c'est une bonne question. Hein, voilà, donc moi, j'ai parlé de la mère de famille. Ici, j'ai parlé des formes de mobilisation, mais en effet, les familles qui vivent dans les bidonvilles, elles ont des activités de travail. Alors, pas forcément... Certains ont des activités de travail salariées, hein, vont se faire embaucher sur les chantiers ou faire le ménage, etc. Là, par exemple, j'ai cité le cas de Christina. Donc, en fait, je dis mère de famille parce qu'elle met souvent cet argument en avant, justement, dans les délibérations. Hein. Et puis, elle est, alors, pour le coup, voilà, elle est très, très...
Enfin, elle trouve très important voilà, de scolariser les enfants, etc. Et elle critique ses voisines qui ne le font pas. Hein, voilà. Donc, elle a un statut particulier quand même, hein, cette habitante. Et elle, par exemple, elle pratique la mendicité et la récupération. Donc voilà, ils ont des activités de travail. Bien sûr, les personnes qui vivent dans les bidonvilles ont des activités de travail. Mais pas forcément au sens travail informel, on pourrait dire. Voilà. Merci. Du coup, on enchaîne, on reprend, avec la communication donc, de Gwen Lann et Pauline Scherrer, intitulée « La construction d'outils de solidarité comme expérience de démocratie, l'exemple de l'utopia à Montpellier ». Merci. Bon, j'espère que ça va aller, que vous allez tenir le coup. Donc, je vais... Alors, j'ai dit deux heures, peut-être qu'on peut dire qu'on va jusqu'à 13h45, ce qui fera à peu près deux heures d'atelier. Je ne sais pas si Catherine, Marion, vous en dites quoi. L'Assemblée. Et quelle heure, en fait ? Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement, de toute façon. Hein, et par respect aussi par le travail qui a été effectué, les papiers, etc. Si on veut avoir le temps d'avoir une discussion, il nous faut encore au moins trois quarts d'heure, je pense. Voilà, excusez-moi, allez-y. OK. Et donc, juste pour dire, on est venu à trois, oui, finalement. Oui. Donc, voilà. Non, mais ce n'était pas prévu, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire une toute petite introduction et puis laisser la parole à mes collègues. Moi, je fais partie d'un laboratoire associatif, donc une association, l'Homme 1901, qui est composée de sociologues et d'ethnologues à Montpellier. Et on mène donc des processus de recherche-action coopérative dans un double enjeu, donc qui est celui à la fois de produire des connaissances, si possible publiées, et de favoriser, enfin de participer à des processus de changement, de transformation sociale, éventuellement d'émancipation, pour l'ensemble des personnes impliquées, donc acteurs et chercheurs. La participation, c'est un objet de recherche pour nous, un objet transversal, qu'on va travailler effectivement toujours en articulation avec des enjeux d'émancipation, de justice sociale, de changement, d'accès aux droits, et qu'on va la plupart du temps coupler à un autre objet de recherche. Je peux prendre par exemple un travail qu'on mène actuellement sur l'accès à l'alimentation avec le Secours populaire du Languedoc-Roussillon. Donc c'est vraiment la participation à la fois comme fin, effectivement, dans une visée démocratique, mais aussi comme moyen. Donc cette position un peu particulière nous met voilà, en posture de veille un peu sur notre territoire, qui est donc celui de Montpellier, de l'Hérault, de l'ex-Languedoc-Roussillon maintenant, pour être un petit peu comme ça à l'écoute de ce qui peut se passer sur ce territoire en termes de mouvements sociaux, en termes d'initiatives, notamment lorsqu'elles sont portées par les personnes premièrement concernées. C'est comme ça donc, que je me suis mis à suivre l'expérience de l'Utopia il y a quelques années maintenant. Alors quand je dis suivre, c'est plutôt de loin en loin, puisque pour l'instant, la contribution qu'on propose aujourd'hui n'est pas le fruit d'un travail de recherche. C'est peut-être un début, un commencement, on verra. Donc c'est plutôt un témoignage qu'on a essayé de travailler ensemble par rapport à ce que vous proposiez donc, au niveau du colloque. Donc une action de réquisition des espaces vacants, d'espaces vacants appartenant au pouvoir public, donc sur Montpellier, que l'Utopia mène depuis quelques années, avec différents épisodes dont ils vont nous parler, dans le but de mettre à l'abri des personnes sans logement, mais pas que, aussi dans une perspective de centre social autogéré et d'autres choses dont ils vont très bien parler, je pense. Donc une action de participation conflictuelle qui a établi un rapport de force et qui va articuler différentes échelles de participation, différents registres d'action politique. Tout ça alimenté par des valeurs, des visions, une sorte d'horizon politique, de projet, notamment en termes de non-discrimination, d'antiracisme, de féminisme. Donc quand je dis ça articule différents registres, c'est qu'à la fois, effectivement, on est sur une interpellation des pouvoirs publics par cette action de réquisition, qui est rendue en plus assez visible, assez médiatique, donc ouverte sur la ville, par une organisation collective qui se met en place, la construction d'outils de solidarité, par des enjeux d'accès aux droits, d'accès à des conditions d'existence et aussi d'accès aux politiques. Donc voilà, on va essayer de le montrer aussi. Un dialogue, mine de rien, qui s'instaure avec les pouvoirs publics, qui s'instaure avec les institutions, avec les associations qui répondent à l'urgence sociale à Montpellier et qui va quand même jeter, toute proportion gardée, un peu un pavé dans la mare de cet écosystème, qui va venir bousculer un peu les pratiques et puis les habitudes. Une dynamique aussi instituante au niveau du groupe que constitue l'Utopia, qui progressivement, d'année en année, se modifie, change de forme, évolue, mais en tout cas institue et s'institue comme un acteur, un interlocuteur à l'échelle du territoire. Et tout ça, et comment tout ça se heurte, bien sûr, à de nombreuses limites, à de nombreux freins, à de nombreuses difficultés liées à l'action collective elle-même, liées aussi à la précarité de l'expérience, la précarité des personnes concernées, la précarité aussi en termes de temps. C'est-à-dire une réquisition implique
souvent une expulsion. Voilà, plein de paramètres qui rentrent en jeu et qui font que la portée émancipatrice et démocratique, bien sûr, peut être aussi très limitée et très compliquée. Voilà. Donc, je leur laisse la parole. Et... Alors, déjà, je vais commencer. Moi, je me présente, Maxime. Je fais partie des cofondateurs de l'Utopia, du comité exécutif. Donc, le petit groupe de militants qu'on... Le petit groupe de militants qu'on crée l'Utopia et qui se sont une rencontre, enfin une conscientisation collective cette rencontre de l'incapacité des pouvoirs publics à répondre à cette problématique sociale. Donc on a mis en place le premier lieu avec ce besoin de l'articuler autour des besoins de l'individu et de chacun, et du coup en touchant à tous les droits fondamentaux. Voilà. Donc donc par la réquisition pour toucher au logement, ensuite on a mis en place d'autres outils de solidarité. On était basé surtout sur la mutualisation et l'acteur bénéficiaire, c'est-à-dire mettre en commun tout ça pour pouvoir avancer et réussir à aller plus loin. Acteur bénéficiaire, parce que justement on voulait sortir de ce cadre de un peu l'assistanat et dire que il n'y a pas des personnes qui reçoivent et d'autres qui donnent, et justement dans les deux sens, faut que ça soit faut que ça s'échange pour pouvoir permettre cette émancipation et cet échange démocratique. Donc le premier lieu, il s'est passé comme ça. On a eu une expulsion après 6 mois, où là on a mis en place un deuxième lieu, là où on a testé réellement l'autogestion, parce que les personnes dont je faisais partie, qui habitaient sur le lieu, on a tous choisi de décider nous-mêmes et d'expérimenter ça. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte de la difficulté à mettre en place l'autogestion et qu'il y avait quand même certaines choses qui avaient besoin d'être affinées. Je ne sais pas si tu veux continuer là-dessus. Oui, Gwen, 39 ans, 3 enfants, précaire, sans emploi, militante, 15 ans sur le terrain associatif de la ville de Montpellier, et 3 ans donc avec l'Utopia et toute la conceptualisation de ces outils de solidarité. La spécificité, c'est que nous ne sommes ni chercheurs, ni sociologues, ni travailleurs sociaux, et que nous avons démarré cette aventure en attaquant direct à la mise en œuvre, au lieu de passer par la conceptualisation comme ça se fait dans la normalité. Voilà. Donc du coup, toutes ces belles théories qu'on peut entendre d'une manière générale, nous, on en avait eu vent, on avait déjà quelques idées de qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on risquait de rencontrer sur le chemin. On s'est dit qu'on allait faire et arrêter de parler et arrêter de faire de la réunionnite aiguë. On a appliqué effectivement le principe de réquisition, tout d'abord pour faire réagir les institutions locales, puisque, on le rappelle bien évidemment, c'est l'État, de par ses missions régaliennes, qui est censé répondre à toutes ces urgences sociales et qui ne le fait pas.
que ce soit pour les SDF, les mal logés, les publics en bidonville, c'est bien évidemment l'État qui est censé répondre à tout ça. L'État ne le faisant pas, voyant ces constats au niveau local, à peu près 2000 personnes en situation de errance dans la ville, avec toujours un État qui ne répond pas. Du coup, on s'est dit comment répondre à l'urgence en palliant aux défaillances étatiques, mais tout en étant dans des revendications politiques très claires et tout en laissant la place et la parole aux gens principalement concernés, comme on le dit, comme on l'entend depuis le début. L'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement social, c'est bien évidemment pas faire à la place d'eux, c'est bien évidemment ne pas s'exprimer à la place d'eux, et c'est comment répondre au principe d'acteur bénéficiaire. Du coup, qu'on arrive par le prisme du besoin ou qu'on arrive par le prisme de l'action, dans tous les cas, à un moment donné, on va être bénéficiaire de tous ces outils. Le plus gros des outils, et c'est ce qui fait la force du mouvement, c'est le principe de mutualisation. Que ce soit la mutualisation des moyens, des efforts, des outils ou des compétences. Et c'est la mise en commun de tout ça qui permet la force collective et qui permet cette intelligence collective et qui mène à, effectivement à une réelle lutte, au moins au niveau local, où aujourd'hui, au bout de 3 ans de travail de terrain, on a un réel rapport de force qui s'est établi sur la ville. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est à un troisième lieu de vie qui s'appelle Utopia 003 et qui est 4000 m² de réquisition citoyenne qui a été pris par le peuple pour être redonné au peuple. Le propriétaire de cette parcelle, c'est le maire de notre chère ville, qui est aussi le président de notre chère agglo, et puis autre chose, entre autres, et qui avait acheté, donc c'est pas lui directement, mais c'est l'ancienne mairie de Montpellier, qui avait acheté cette parcelle 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour le laisser vide, comme ça existe sur Paris, sur Saint-Denis et sur toutes les grandes villes de France. C'est ce qu'on appelle la vacance immobilière. Et dans le parc public, hein, puisque le public ne sort que les chiffres de la vacance privée, où là, il dénonce effectivement cette vacance privée et il impose aux petits propriétaires privés de payer cette vacance immobilière, mais il oublie que lui-même, il est propriétaire d'une vacance immobilière colossal. Donc à l'échelle d'une ville, on a, comme Montpellier, on a à peu près 17 000 logements vacants, toute taille, tout bâtiment confondu. Donc c'est comment redonner à nous, au commun, à nous tous, ce dont il est propriétaire, tout simplement, comment redistribuer cette richesse qui, je le rappelle, c'est vide. Hein, c'est-à-dire que ça faisait 8 ans que ce bâtiment servait à héberger uniquement des étagères vides, hein, puisque c'était les anciennes archives départementales de l'Hérault. Du coup, aujourd'hui, nous, on a décidé d'en faire un centre social à responsabilité partagée avec l'idée d'autogestion et avec, bien évidemment, des valeurs totalement anticapitalistes, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, et avec surtout l'idée, et c'est pour ça que ce colloque m'intéressait, c'est sur le agir ensemble, le faire avec et pas à la place d'eux, la réappropriation des espaces publics, mais la réappropriation aussi de la politique dans son vrai sens, c'est-à-dire les questions de la cité. C'est on parle de participation depuis tout à l'heure. J'ai malheureusement pas beaucoup vu de citoyens de ce peuple, si on peut encore dire citoyens, si on peut encore dire peuple, mais à faire les choses. Je rappelle que dans l'encart qui annonce ce colloque, il était spécifié qu'il n'y aurait aucun praticien et aucun scientifique. Or, j'ai entendu énormément de praticiens, de scientifiques. Je n'ai rien contre, sauf qu'on parlait de participation et de démocratie. Du coup, c'est j'aurais voulu voir un peu plus de gens du peuple, comme moi, hein, et comme Maxime. Pourquoi ? Parce que ça commence par ça. C'est-à-dire que si demain, on a réellement conscience tous ensemble, que tous ensemble, on va beaucoup plus loin et on est beaucoup plus fort,
Ben c'est ça, cette réalité-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système capitaliste qui nous bouffe, qui nous assomme, qui nous étouffe. Et quand est-ce qu'on va arrêter avec ça? Quand est-ce qu'on va arrêter de le laisser faire, lui? Et quand est-ce qu'on va décider de faire tous ensemble? L'Utopia fait ça depuis 3 ans, voilà, sur des principes simples qui sont la mutualisation, l'éducation populaire et le principe de l'acteur bénéficiaire. On n'a pas du tout la prétention d'avoir trouvé toutes les solutions. Par contre, ça marche. Aujourd'hui, on nourrit 100 personnes par jour. On a déjà mis à l'abri plus de 20 personnes puisqu'on vient juste d'ouvrir notre nouveau lieu de vie et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et je pense qu'en termes d'exemple de démocratie participative, c'est effectivement vers ça qu'il faut qu'on aille, c'est-à-dire se réunir ensemble et imaginer de réels possibles, mais dans le faire et pas uniquement dans le réunionnisme. Voilà. C'est fait pour. Oui, alors les limites, bien évidemment, on est des militants précaires pour un public précaire dans une situation précaire. Ce qu'on appelle le squat, hein, puisque ce que nous on appelle réquisition et qu'on met en avant, ça s'appelle d'un point de vue juridique le squat. Donc bien évidemment, c'est pas reconnu juridiquement, ça n'a pas de valeur légale et c'est illégal. Sauf que le rapport de force qu'on a maintenu avec ce travail auprès des institutions locales et avec toutes les associations de terrain qui traitent de l'urgence sociale fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait 2 mois et demi d'occupation là aujourd'hui, de manière officielle. Et il y a un rapport de force qui est suffisamment installé pour éviter une expulsion illégale, puisque ça existe aussi. Hein, on parle des expulsions des terrains roms, mais il faut savoir que l'expulsion illégale existe, c'est-à-dire que l'État policier a le droit, notamment avec le principe de l'état d'urgence, expulser des gens sans tenir compte de la procédure légale, donc du cadre légal. Donc on risque de ne pas subir ce genre d'expulsion, même si on en a déjà vécu par le passé, et on se dit qu'effectivement, on va au moins bénéficier de cette trêve hivernale qui est jusqu'au 31 mars. Donc on imagine qu'on subira une expulsion, une comme tous les ans, à peu près vers le mois d'octobre, c'est-à-dire pour éviter de bénéficier de cette autre trêve hivernale qui commence le 1er novembre. Donc c'est très classique, que ce soit pour les squats ou les terrains roms, ça se passe très souvent comme ça. On expulse les gens juste avant la trêve hivernale, parce que si on les expulse après, on sort du cadre légal, et si on les expulse après aussi, on est censé mettre l'argent pour les reloger. Donc bien évidemment, pour faire des économies, on va expulser les gens juste avant, comme ça ils ne bénéficient pas du relogement d'urgence qui est prévu par l'État. Voilà. Il faut savoir qu'une expulsion coûte à peu près 55 000 et 70 000 euros et qu'ensuite, après expulsion, il y a un certain public qui est censé être relogé par la préfecture. Et donc là, on calcule à peu près à 60 euros une nuitée d'hôtel par personne et par nuit, bien évidemment. Donc là, je m'égare, mais c'est tout ça pour vous expliquer qu'à un moment donné, si on ne rentre pas dans un principe d'utilité publique, quand on est face à ce genre de phénomène, puisqu'en Espagne, par exemple, on a des lieux de vie soumis à une réquisition par le peuple et par les citoyens qui, à un moment donné, est reconnu d'utilité publique. Donc c'est vers ça qu'on va essayer d'aller ici en France, puisqu'on a du retard par rapport à ça. Et ce sont des questions à se poser à nous qui payons des impôts et qui payons de la TVA à chaque fois qu'on achète quelque chose, de savoir qu'est-ce qu'on a envie que l'État fasse avec notre argent ou pas. Ça pose plein de questions, on en débattra tout à l'heure, la place notamment des citoyens dans le colloque, mais je crois que le GIS se fait quand même... porte une attention particulière à cette question-là. Il n'y a pas beaucoup de colloques scientifiques où, au fond, la parole des scientifiques est mise en symétrie avec celle d'autres types d'acteurs. Mais bon, toujours faire mieux. Donc, on passe à la dernière intervention, celle de Jean-Marc Ziegelmeyer. Alternatiba, une pratique instituante. Point d'interrogation. Oui,
Point d'interrogation surtout. Bon, moi je vais vous parler donc d'Alternatiba Gironde, qui rentre dans le cadre plus général du mouvement Alternatiba dont Guillaume Rupin, si je ne me trompe pas, vous a parlé le premier matin. Donc Alternatiba Gironde, qu'est-ce que ça a été très rapidement? Ça a été une initiative en trois temps, donc sur la transition climatique, hein, pour rappeler rapidement. C'était une initiative en trois temps. Un premier temps qui a été Alternatiba étudiants, qui s'est déroulé donc avec les étudiants de l'IUT Carrière sociale où j'enseigne. Un deuxième temps qui a été la deuxième journée Alternatiba conférence, là aussi hébergée par l'IUT Carrière sociale dans son bâtiment. Donc, quand même une relation assez étroite entre une institution universitaire et puis une pratique militante, ce qui n'est pas forcément inintéressant. Et donc, le troisième jour, le village des alternatives, où étaient présentées un certain nombre d'alternatives concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Succès, hein, puisque, bon, le nombre de personnes qui a participé à Alternatiba Gironde est estimé entre 15 000 et 20 000, difficile à compter. Mais en tout cas, bon, c'était un succès quasi inespéré à ce niveau-là, au niveau des organisateurs qui, 48 heures avant, dans la mesure où ils s'étaient lancés dans cette aventure un peu tête baissée, étaient strictement incapables de dire vraiment combien il y aurait de personnes qui participeraient. Alors, pour parler d'Alternatiba, peut-être qu'il faut revenir un peu en arrière et remonter à la COP15 à Copenhague, qui a été un échec à la fois par rapport aux résultats qui sont sortis de cette COP, comme vous le savez, mais aussi un échec de la mobilisation. Hein. C'est-à-dire que, alors quelle que soit la stratégie utilisée, stratégie insider, c'est-à-dire on fait pression à l'intérieur de la COP, stratégie outsider, on fait pression à l'extérieur de la COP, de toute façon, les mobilisations n'ont pas permis de peser sur le résultat de cette COP15. Et donc, tous les militants me disaient que vraiment, ils étaient sortis avec la gueule de bois de cette COP et qu'ils étaient extrêmement désemparés sur la manière dont ils pouvaient relancer le mouvement après cet échec. Et puis, donc, est arrivée, comment on peut appeler ça, la solution Bichy. Alors, Bichy, donc, c'est une association basque qui a été à l'initiative donc, de la relance de ce mouvement, du moins en France, au travers de l'Alternatiba. Je vais peut-être faire une parenthèse. Il me semble que si ça a germé avec Bichy, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est lié aussi à une configuration politique liée à la situation du Pays Basque Nord et qui permettait de regrouper trois éléments qui n'étaient pas forcément évidents à regrouper dans d'autres endroits, mis à part les spécifiquement basques. D'une part, un aspect Abertzale. Deuxièmement, le mouvement syndical. Troisièmement, le mouvement pour la justice climatique. Donc ces trois éléments-là, au travers du BC, y compris au travers des militants essentiels de BC, donc, ont réussi à se rejoindre. Et c'est, à mon avis, une des raisons essentielles pour laquelle ça a commencé au Pays Basque. Donc BC a, en quelque sorte, initié un package, alors qui était fait de quatre axes essentiels et de quatre moyens essentiels. Quand je dis package, ce n'est pas un hasard, c'est que vraiment, ils ont tenu ensuite à ce qu'au niveau des différentes alternatives, il y ait toujours ces éléments présents. Donc, quatre axes, ancrer la dynamique de la manifestation au plus près du local, sans pour cela négliger les enjeux globaux, multiplier les angles d'approche en combinant réflexion de fond et alternatives concrètes, sous la forme d'un village et d'alternatifs, festifs et participatifs, apparaître non pas comme la énième organisation écologiste, mais comme une initiative émergente, clairement indépendante des partis, et ne pas attendre pour mettre en œuvre dès maintenant la transition climatique, avec comme objectif de maintenir le réchauffement à un seuil de 1,5 degré, en véhiculant un message positif. Ce côté message positif était vraiment, vraiment un aspect essentiel. La volonté, c'est de sortir de la dénonciation et de faire des propositions concrètes. Et donc, ça, c'est les quatre axes. Et sinon, les quatre moyens qui faisaient partie de ce que j'ai appelé le package BC, c'était d'une part la réflexion, au travers de la manière dont ça devait se passer, les revendications radicales, la fête et la présentation d'alternatives concrètes permettant dès aujourd'hui, de construire, entre guillemets, un autre modèle de société.
Il y a un certain nombre de jeunes militants, des Amis de la Terre, qui se sont rendus à BC, hein, mais vraiment à Bayonne, excusez-moi, lors de la lors du premier village Alternativa qui s'est tenu à l'automne 2013. Donc il y a un certain nombre de jeunes militants des Amis de la Terre qui se sont rendus à Bayonne, sans trop savoir exactement ce qu'ils allaient découvrir. Jeunes militants qui, en fait, c'est important à préciser, venaient d'arriver sur Bordeaux. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe des Amis de la Terre n'était pas encore créé. Et ça a été un peu la révélation, hein, en ce qui les concerne, ça a été un peu la révélation. Parce que justement, bah, les questions qui se posaient pour savoir comment relancer le mouvement de mobilisation pour la justice climatique, là, ils avaient devant eux une solution concrète, des propositions concrètes qu'ils se sont mis immédiatement à mettre en œuvre. Alors ça les a intéressés essentiellement pour trois raisons. Parce que ça permettait de faire la rencontre entre le social et l'écologie. Bon, on va voir que sur Bordeaux, ça n'a pas aussi bien marché. La possibilité de formes d'engagement plurielles, qui respectait différents degrés d'implication des participants, et enfin la caisse de résonance que pouvait constituer donc la tenue du village des alternatives pour sortir d'un discours purement revendicatif et, je cite, rendre visible ce qui existe déjà mais n'est pas connu. Alors, le fait que ces jeunes militants venaient d'arriver sur Bordeaux, ils considèrent que c'était vraiment quelque chose de positif par rapport à la façon dont ça s'est développé, parce qu'en fait, ils n'étaient pas étiquetés. Et donc, comme ils le disent eux-mêmes, ils étaient un peu vierges politiquement. Et c'est un élément qui leur permet de dire que, finalement, ils ont réussi assez rapidement à agréger autour d'eux un nombre très important d'associations, puisqu'il y a eu plus de 130 signataires de l'appel Alternativa Gironde. Ils expliquent ça comme ça. Créer un réseau afin qu'au final, la personne qui est active sur la question de la culture biologique, celle qui est plutôt sur la thématique éco-habitat, celle qui est plutôt sur la monnaie locale, et tous une même trame de fond qui se dessine, et qu'elles défendent toutes un même projet ou un même chemin de société. Donc il y a cette dialectique qui a toujours été importante, et pas forcément toujours simple à gérer, entre d'une part un engagement très concret, très pratique, et d'autre part un cadre plus général. Cette dichotomie ou cette dialectique se retrouve aussi sur la manière dont s'est instaurée la gouvernance d'Alternativa à Bordeaux, au travers essentiellement de deux instances. D'une part, les commissions, alors c'est soit des commissions thématiques, déchets, agriculture, paysanne, bio, etc., soit des commissions transversales, communication, logistique, finance. Et donc chaque commission envoyait un référent à ce qui s'appelait le comité de pilotage. Et disons que ces commissions ont eu un fonctionnement extrêmement horizontal, donc elles se réunissaient par commission, elles ont eu un fonctionnement extrêmement horizontal et elles permettaient une entrée, je dirais par la compétence ou par la pratique, dans Alternativa. Je cite deux personnes qui sont ensuite devenues des militants assez actifs, mais qui au départ n'étaient pas dans le noyau de base des Amis de la Terre. Par exemple, A dit « J'avais vachement plaisir à être là, à faire des rencontres avec des acteurs, à être ensemble, découvrir ce que faisaient les autres, des passerelles pouvaient se créer. On trouvait des solutions ensemble, on avait droit à l'échec, car on se faisait confiance, on pouvait faire ensemble. » Et donc, I, qui dit aussi d'abord avoir rencontré avec Alternativa des valeurs qu'il avait lui-même, mais explique aussi, avec Alternativa, on va construire un projet, on a des objectifs concrets, on ne fait pas de réunion à n'en plus finir, on fait. Et donc, c'est vraiment, au travers de ces commissions, l'envie, les compétences de chacun qui étaient mises en valeur et qui, comme il l'exprime, l'action prévalait sur l'idéologie. L'autre, par contre, instance de gouvernance, c'était le comité de pilotage, où là, on avait quelque chose d'extrêmement procédurier, d'extrêmement efficace, avec un timing très précis, et qui distribuait la parole selon un cadre extrêmement, extrêmement strict. Donc on avait à la fois ce côté horizontal et, au niveau des commissions, et ce côté efficacité dans la prise de décision au niveau du comité de pilotage. Là, encore une fois, je cite, « Pour avancer, il faut être efficace, tout est cadré, tout est organisé, mais c'est ouvert à tous. C'est parfois un peu rigide, mais ça permet d'avancer. » Autre citation, « Il y a eu un effet boule de neige, on a donné envie, les gens ont vu que ça tournait, les choses avançaient, on est sorti de la méthode parlotte, mais avec un cadre très carré. » Bon.
J'en passe maintenant un peu aux facteurs d'engagement dans Alternativa Gironde. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'engagement s'est fait quand même essentiellement par la pratique. Hein. Alors, ce n'était pas sans risque, puisque par exemple, il y a un autre militant, AR, qui lui faisait partie du groupe initial des Amis de la Terre, qui pointe le risque de dépolitisation que revêt cette démarche, ou la séparation est mince entre vouloir attirer tout le monde sur une base minimum et faire de cette implication pratique le premier pas vers une prise de conscience plus globale. Pour limiter ces risques-là, il y avait une charte qui était, que les gens devaient accepter quand ils s'engageaient sur Alternativa. Mais on peut dire que cette charte a été un peu à géométrie variable. Certes, pour certains, elle avait un rôle essentiel. C'était vraiment le cadre de référence idéologique. Pour d'autres, c'était beaucoup plus pragmatique que ça. Il y a aussi toujours un petit peu dans ce côté expérientiel. Donc, les militants insistent sur le côté aventure collective qu'a revêtu cette Alternativa. Hein. Le côté aventure et le côté apprentissage et relations personnelles qui se sont nouées au travers de cette action. Alors, trois éléments essentiels pour caractériser un petit peu cette aventure collective, cette aventure humaine extraordinaire, hein, je cite encore. D'une part, un discours éthique qui mettait beaucoup en avant la notion de confiance dans les capacités de chacun. Hein, ça revient de manière récurrente. Dans les discours, un discours qui met aussi l'accent sur la bienveillance, la coopération, le partage, le faire ensemble, tout ça je cite, hein, la construction d'une intelligence collective, et sur les liens d'amitié qui se sont liés entre les membres, je dirais, les plus actifs d'Alternativa durant cette action. Ils nous disent depuis on continue à aller boire des bières ensemble, voilà. C'est donc ce qui est déjà un résultat non négligeable. Le deuxième élément, c'est la relation vraiment entre engagement et acquisition de compétences personnelles, parce que en fait quand ils se sont lancés dans cette aventure, ils ne savaient absolument pas qu'est-ce que ça signifiait, l'ampleur que ça pouvait avoir. Et donc, il a fallu apprendre à faire des démarches, il a fallu apprendre à brancher des câbles, il a fallu apprendre à faire à contacter la mairie, à développer une stratégie, etc. Et je parle que de Bordeaux, mais il y a d'autres militants ensuite qui se sont investis dans ce qui s'est passé au niveau de la COP21 là sur Paris. Je reviens pas. Guillaume en avait parlé vendredi, pardon. Bref. Cette relation entre engagement et acquisition de compétences personnelles, moi, je la qualifierais un peu d'empowerment, hein, au sens où le définit Marie-Hélène Baquet, c'est-à-dire le processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action, de s'émanciper, et, comme je disais tout à l'heure, elle articule ainsi deux dimensions, celle du pouvoir et celle du processus d'apprentissage pour y accéder. J'ai l'impression qu'il y a effectivement là quelque chose qui est de l'ordre de l'empowerment, ou plus précisément, encore une fois, pour reprendre la typologie de Baquet et Ribbert, l'empowerment radical, pour être clair. Et enfin, le dernier point qui caractérise l'engagement, c'est le côté festif. Alors, festif, à la fois parce qu'il y avait des concerts, parce qu'il y avait le village des alternatives, mais aussi parce qu'ils insistent, beaucoup sur le fait que le militantisme, alors même si c'était très activiste, même s'il y a eu un engagement fort, même s'ils y ont passé des heures carrées, ils insistent sur le fait que ça n'était pas un militantisme qu'on pourrait qualifier de sacerdotal, mais quelque chose qui, je cite encore, alliait faire ensemble plaisir, événement, où on se retrouve ensemble pour vivre autrement le quotidien. Je vais passer rapidement donc sur, je vais passer tout court d'ailleurs sur la suite d'Alternativa du village, ce qui s'est passé dans l'année qui a suivi entre Grand Gros, Alternativa et puis la COP21 parce que j'ai pas le temps, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et pour conclure donc quelques points moi qui me semblent ressortir d'Alternativa Gironde. Donc une approche pragmatique qui permettait d'ajuster le niveau et les formes d'engagement de chacun en fonction de ses motivations, à partir d'une charte qui garantissait un cadre commun
mais dont l'utilisation s'est avérée également à géométrie variable en fonction des niveaux d'engagement, une volonté de proposer des initiatives plurielles, des plus radicales aux plus consensuelles, afin de toucher des profils d'associations et de publics à la fois larges et diversifiés, ainsi que de faire prévaloir un discours positif qui véhicule une autre image des revendications écologiques, démarche symbolisée par la tenue du village des alternatives concrètes. Le choix de rompre avec un type de militantisme, encore une fois, entre guillemets, sacerdotal, pour mettre en avant le côté festif, ainsi que l'abandon d'une posture sacrificielle au profit d'un engagement qui peut être aussi source de plaisir. Une entrée dans l'engagement par la pratique plutôt que par l'idéologie, à partir des compétences de chacun mises en œuvre et ou partagées dans le processus d'Alternativa. Une gouvernance à la fois très horizontale au niveau des commissions, alliée à un fonctionnement rigoureux et efficient, j'insiste sur le terme efficient, en particulier au niveau du comité de pilotage. Un rapport étroit entre engagement et apprentissage au travers des responsabilités confiées, des capacités sollicitées ou apprises lors d'Alternativa débouchant sur un processus d'empowerment, une forte implication personnelle qui s'est traduite par le lien entre militants les plus impliqués dans cette aventure collective. Et puis, alors, et je terminerai sur une note négative, quand même, pour pas vous donner l'impression que c'était bisounours. Par contre, là où Alternativa Gironde a chopé, c'est sur le lien entre mouvement syndical, mouvement ouvrier, quartier populaire et autres. Ça a été symbolisé par le départ d'attaque du comité de pilotage. Bon, les militants reconnaissent que là, il y a eu effectivement un rattache. Ce n'est pas le cas dans tous les Alternativas. Et je vais citer pour terminer sur une...